Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Iri, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, voici une liste qui a été dressée. Oui, une liste des cyberactivistes qui sont sur la liste des Twitter 007. Qui sont sur la liste, vraiment, écoutez très bien des cyberactivistes. Écoutez très bien. Si tu attends ton nom est mentionné dans cette liste-là, mon frère, il est temps de t'excuser. Il est temps aussi, vraiment. Mon frère, il est temps. Hein. Il est temps parce que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Il ne faut pas, tu as dit non, moi je vais faire 20 ans. Vous, si Alassane est toujours au pouvoir, moi je vais toujours rester à l'aventure ici. Non, mon frère, c'est ton pays. Le karma peut te tromper, tu vas te retrouver en Côte d'Ivoire. Ou toi-même, tu es en train de nager comme cela, là, dans la mer, à la plage, là, où tu vas te rencontrer là, tu as Agra Bassam. Fais très attention. Le karma peut réagir comme ça, puis tu vas te retrouver à Agra Bassam. Tu es en Europe, tu es en train de nager, puis tu te retrouves à Agra Bassam. Le karma peut exister comme ça. La famille. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a une liste qui a été dressée des gens, les gens qui ont passé leur temps à toucher l'autorité, à toucher aussi le gouvernement ivoirien. Écoutez très bien. J'ai dit, écoutez très bien. Envoyez cette vidéo-là. Lui, si toi, tu as trouvé ton menton ou soit ton activiste, son nom est mentionné là. Il faut prendre cette vidéo-là, tu vas lui donner, il va écouter. Voilà, il va écouter. Ils n'ont pas dit, oui, tu vas écouter, mais il faut te rallier au RADP. Non. Tu vas écouter toi, mais tu vas t'excuser. Tu vas demander pardon. Il ne faut pas vous aller dire non que oui, il veut faire, les gars veulent faire quoi? On adresse, oui, ils ont dit les noms là pour qu'on puisse aller au RADP. Non. Les gars des RADP n'ont même pas besoin de vous. Oui, les RADP n'ont pas besoin. Mais il est temps de vous racheter. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voici ça. Peter 007, depuis 2021, il a arrêté de faire des vidéos. Mais il ne s'est pas racheté. Aujourd'hui, voici ça. Voici l'affaire là, qui est derrière lui. La famille, écoutez très bien. Écoutez très bien. Bien avant que on va s'agiter pour dire on va toujours insulter. Arrêtons ça. Voici la liste qui a été dressée. Écoutez très bien. Voici ça. Voilà, les réseaux sociaux aussi doivent être réglementés et que ce n'est pas un endroit où des gens peuvent venir dire n'importe quoi, hein, et n'importe comment. Et penser que non, ils sont en sécurité, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, si jamais, à travers les réseaux sociaux, que ce soit par publication, par vidéo ou par commentaire, je tiens à bel et bien le rappeler, tu enfreins à certaines règles de l'État, alors l'État se réserve le droit de te poursuivre, quel que soit l'endroit où tu es. Il y a des coopérations intergouvernementales. Gouvernementale, est-ce que vous comprenez? Des coopérations. Donc, la Côte d'Ivoire peut coopérer avec les différents gouvernements européens, les différents gouvernements africains et même peut-être en dehors même de l'Europe et de l'Afrique. Donc, ces lois disent quoi? Cette loi dit quoi? Cette loi est claire. Elle dit, si jamais tu mets en danger l'intégrité territoriale du pays, mettre en danger, c'est quoi? Mettre en danger l'intégrité territoriale du pays. Soit tu envisages de faire un coup d'État, soit tu tiens des propos xénophobes, ou bien tu appelles à la vendetta au sein du pays, ou bien soit tu tiens des propos pour que des peuples se massacrent entre eux. Alors, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Parce que tes propos, soit, hein, ont provoqué, tes propos ont conduit des gens à s'affronter et cet affrontement pouvait déstabiliser le pays ou peut engendrer des morts. Donc, si tu tiens de tels propos, la loi a le droit de te frapper, quel que soit l'endroit où tu es. Alors, atteindre aussi à la vie privée, hein, de son prochain, c'est-à-dire une personne est là et puis tu exposes sa vie privée sur les réseaux sociaux, alors la loi peut aussi te traquer.
une personne aussi est là, et puis tu menaces cette dernière de mort à travers les réseaux sociaux, la loi peut aussi te frapper. Tu appelles aussi à des coups d'État face, par exemple, au gouvernement. La loi peut se permettre de te traquer partout où tu es parce que tu veux la déstabilisation du pays. Donc, c'est-à-dire appeler à un coup d'État face à un chef d'État qui est au pouvoir en disant que non, il doit quitter par un coup d'État, on doit le renverser. Alors, ça, c'est une déstabilisation. Donc, tu atteins aussi à l'intégrité territoriale du pays. Donc, tout ça et le manque de respect envers une personne physique et les fausses accusations envers ses prochains. Alors, après avoir fini de dire tout ceci, il y a une liste bien rétablie des personnes qui sont bel et bien recherchées. Là-bas bientôt. Alors, donc, j'aimerais la guêpe. La guêpe fait partie des personnes recherchées. Elle est bel et bien sur la liste. Elle est bel et bien sur la liste par rapport à ses accusations envers le ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre Tiené Brahima. S'il est toujours encore ministre de la Défense, parce que je ne suis plus trop l'actualité ivoirienne. Moi, je suis sur le plan international. Je fais maintenant la géopolitique et la géostratégie. Donc, je parle de la stratégie globale et de l'avenir, par exemple, de l'Afrique, la place de l'Afrique de demain, sinon que de la Côte d'Ivoire de demain et tout. Donc, nous, on est dans les hautes sciences. Ça fait que je ne suis plus trop la politique ivoirienne. Donc, je n'ai pas toutes les informations concernant la politique ivoirienne. Et ça fait un moment, pour ceux qui me suivent, ils le savent. Ça fait un moment que je ne suis plus trop dans la politique ivoirienne. Donc, la guêpe, celle qui est aux États-Unis, elle fait partie. Donc, les reproches qu'on lui reproche, c'est que il a bel et bien dit que la mort d'Ahmed Bakayoko et de comment il s'appelle, l'ancien premier ministre, c'est ça, Gon Coulibaly, c'est ça. Voilà. J'ai oublié les noms des hommes politiques aux Ivoiriens. Donc, par rapport à leur mort, elle a été la première à signaler bel et bien que c'est Tiené Brahima qui était le coupable et tout. Donc, elle est sur la liste. Franklin Yamsi est bel et bien sur la liste par rapport à son affinité avec Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, vous devez le savoir, en Côte d'Ivoire, que ce soit dans tous les partis politiques, je dis bien dans tous les partis politiques, que ce soit le parti politique au pouvoir, comme opposition, même vis-à-vis des Ivoiriens, de la société civile, je dis bien de la société civile, Soro Guillaume n'est pas considéré comme un homme politique, il est considéré comme un voyou. Je le répète, il est considéré comme un voyou, un délinquant et un danger pour l'État ivoirien par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il avait voulu faire. Et par rapport à ces coups tordus qu'il fait depuis sa cachette. Donc, tous ceux qui sont affiliés à Guillaume Soro, ils seront traités comme lui. Parce que Guillaume Soro n'est pas un homme politique. Pour les Ivoiriens, je dis bien pour les Ivoiriens, la majeure partie du peuple ivoirien sait bel et bien que Guillaume Soro n'est pas un homme politique, mais c'est un voyou qui se cache derrière l'identité politique, mais en réalité, il n'est pas un homme politique. Et donc, du coup, par rapport à son passé, ce qu'il a voulu faire contre l'État ivoirien, quand je dis l'État ivoirien, toi, tu fais partie de l'État, moi, je fais partie de l'État, ceux qui sont au pouvoir font partie de l'État, les opposants font partie de l'État, et donc, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens. Voilà, ce qu'il avait voulu les faire subir, alors pour cela, Guillaume Soro n'est pas bien vu comme un homme politique. Et donc, au nom de Guillaume Soro, il y a des gens, certains cyberactivistes, qui tiennent des propos incendiaires, des propos qui n'ont ni queue ni tête, mais des propos qui vont dans le sens d'exciter les gens à faire des coups d'État ou à couler le sang humain. Et donc, ces personnes-là seront traquées. C'est-à-dire, il y a Amiral Blindé aussi sur la liste. Je cite pour que les gens puissent savoir. Pour ne pas que demain il soit surpris. Il dit, donc, Guêpe, Amiral Blindé, dessin animé, il fait partie du jeu. Parce que lui, à un moment donné,
Il soutenait Gbagbo. Les gens ont compris qu'il soutenait Gbagbo. Ce n'était pas un problème. Parce que Gbagbo est reconnu en Côte d'Ivoire comme un homme politique. Bédi est reconnu en Côte d'Ivoire comme un homme politique. Mais de ces animaux, par moment, il a décidé de quitter le clan Gbagbo pour rejoindre le clan Soro-Guiom. Et c'est avec ce groupe d'individus, il prépare des coups bizarres contre la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, il fait partie de la liste. Je cite, ce n'est pas moi qui ai préparé la liste, je dis c'est une liste. Donc, ce que je dis là, si vous pensez que je dis des bêtises, bon, levez-vous, allez-y, et vous allez voir. Peut-être Peter 007 faisait partie de la liste. Il faisait partie de la liste. À un moment donné, il était proche du pouvoir. Il partait en Côte d'Ivoire, il revenait, il n'y avait rien. Son passé lui avait été pardonné parce que n'oubliez pas que Peter 007 n'était pas militaire à proprement dit. Il n'était pas aussi gendarme, il n'était pas policier, il n'a pas passé de concours pour rentrer dans l'armée. Tout simplement, lorsque Blé Goudé avait lancé l'appel pour recruter les gens, c'est là, lui aussi, il avait adhéré au sein des forces de défense et de sécurité. Et donc, il était même proche de la garde, hein, présidentielle. Il faudrait que ça soit clair. Donc, en un mot, on pouvait. Je peux pas dire milicien, mais on pouvait le qualifier de truc des jeunes qui étaient équipés pour maintenir l'ordre, hein, au sein de la capitale ou bien maintenir l'ordre autour du président. Hein, l'ex-président ivoirien, son excellence, M. Laurent Gbagbo, il faudrait que ça soit clair. Donc, voilà, il a participé aussi à la guerre et suite à ça, il avait fui pour venir en Europe. Donc, par rapport à son passé, cela n'a pas causé de problème. Il est reparti en Côte d'Ivoire, voilà, il avait fait ce qu'il avait fait. Mais, dans ces derniers temps, il s'est rallié à Guillaume Soro et il a fait des vidéos en disant que non, eux, ils sont prêts à renverser Alassane Ouattara. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a poursuivi aujourd'hui. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, arrivé là-bas, il a fait son émission sur la chaîne des trucs Sawéyon. Vous connaissez MCI, c'est quoi là? MTV, quoi là? Ou Kotiamonchik anime, ceci, cela. Et donc, arrivé dans son hôtel, la police est partie lui rendre visite clairement et il a été arrêté là-bas. Et aujourd'hui, vous connaissez la suite, il a la maca. Il a été condamné pour 5 ans de prison ferme. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je donne des précisions pour que les gens comprennent. Et donc, Don Giovanni aussi fait partie de la liste. Voilà. Je ne suis pas là. Don Giovanni est un frère. Est un frère. Mais il a plusieurs pages, je ne sais pas comment faire. Mais il fait partie de la liste. Ce qui lui est reproché, c'est que lorsqu'il y avait les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en 2020, on lui reproche comme quoi il avait tenu des discours disant que le peuple d'Ida n'a qu'à prendre les trucs, les machettes pour découper un autre peuple. À Divo là-bas. Et donc, par rapport à ce discours, il sera entendu lorsqu'il mettra les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui m'écoutent, dites ça aux personnes que je viens de citer. Donc, si jamais Don Giovanni met pied en Côte d'Ivoire, ils vont aussi l'arrêter. Ce que je dis, c'est un frère. Ils vont aussi l'arrêter. C'est un frère, mais je le dis. Je sais que souvent il regarde mes vidéos et donc quand il va voir, il le saura. Il le saura. J'allais lui envoyer un message en inbox pour l'avertir, mais je préfère faire une vidéo pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on lui reproche par rapport à cette vidéo qu'il avait faite. Donc, par rapport à cette vidéo qu'il avait faite, donc voilà, lorsqu'il partira en Côte d'Ivoire, il sera aussi arrêté et entendu. Pour le moment, sous le départ, il ne fait pas partie du lot. Il ne fait pas partie du lot parce que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Même s'il est avec Ossoro Guillaume, quand il fait ses vidéos, il est très. C'est quelqu'un qui parle de façon intelligente. Il n'insulte pas, il ne fait pas n'importe quoi, il n'appelle pas à faire des coups d'État.
Il dénonce certaines choses. Quand il fait ses vidéos, il dénonce. Donc, quand il n'est pas sur la liste. Donc, si, sous le départ, décidait un jour de repartir en Côte d'Ivoire, il n'allait pas s'inquiéter. Faut pas, il va s'inquiéter. Voilà, il n'est pas sur la liste. Donc, voilà un peu. Bon, peut-être, il peut régler ses... Il y a d'autres personnes qui sont à côté qui vont vouloir régler leurs problèmes avec lui. Ça dépend, parce que c'est un grand pays, hein, la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs personnes, on ne peut pas connaître leurs intentions. Donc, voilà. D'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la justice, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, ou bien des fanatiques, qui peut-être sont des militants, qui vont se dire, bah non, il était là-bas, il a manqué du respect au Prado. Lui, il va nous sentir, qui peuvent agir sans qu'on ne leur demande d'agir. Donc, il y a ces genres de personnes. Donc, pour cela, peut-être, il prendra ses précautions. C'est très important. Donc, voici un peu la liste des personnes recherchées. Et puis, il y a aussi, voilà, j'ai déjà cité Amiral Blindé. Est-ce que j'ai cité Amiral Blindé? Oui, lui, il est recherché aussi. Amiral Blindé, le jour où il mettra pied en Côte d'Ivoire, ils vont aussi l'arrêter pour l'écouter. Donc, il est aussi sur la liste. Donc, j'oubliais Karamoko. Amiral Blindé, oui, il fait partie de la liste. Donc, voici un peu. Non, je dis sous le départ, il n'est pas sur la liste. Il n'est pas sur la liste. Oui, sous le départ, il peut parler mal d'Alassane. Je n'en dis qu'on vient pas, mais il n'appelle pas les gens à aller tuer d'autres personnes. Il ne fait pas tri. Voilà. Donc, ça dépend d'Alassane. Si lui veut porter plainte contre Souley Depari, ça n'engage que lui. Mais dès lors que tu l'es, c'est-à-dire si tu parles mal d'un individu, quand je dis individu, une personne, tu parles mal d'une personne, c'est la personne qui doit décider de porter plainte ou non. Mais lorsque tu mets en danger tout l'État, là, c'est un autre cas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand tu mets en danger la stabilité de l'État, tu n'as plus affaire à une personne, mais tu as affaire à la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire a des représentants, alors ce sont ces représentants-là qui décident de lancer la procédure juridique. Et ceux qui doivent lancer la procédure juridique, hein, il y a des procureurs d'État. Et donc, ce sont les procureurs d'État qui prennent ces dossiers pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc voici à peu près ce qu'il faut. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Djedjé Complet. Djedjé Complet a dressé la liste. Je pense que ce qu'il a dit, bon, ça peut être. Moi, quand moi, j'ai fait mes calculs, je pense que c'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas à 100%. Mais on voici la toile. On voici la toile. Ceux qui incitent la haine, ceux qui disent des propos vraiment négatifs à la compte de l'État, et ceux qui se mobilisent pour dire non, que venez. Mais sans oublier aussi Gbagbo Kone. Gbagbo Kone, toi aussi tu es dans le. Tu es sur la liste. S'ils n'ont pas dit, mais tu es sur la liste. Il y a un encore qui dit il est panafricain. Lui, il porte toujours les bérets. C'est son nom, là, on ne connaît pas. Mais lui aussi, à travers son visage, on sait que lui aussi, il est sur la liste. La famille, c'est nous-mêmes, on crée nos problèmes. Nous, les vidéomans, c'est nous-mêmes, on crée nos problèmes. Nous, les vidéomans, c'est nous-mêmes, on crée nos tombes comme ça, et puis on nous met dedans. Faisons très attention. Aujourd'hui, je vais finir de parler, je vais insulter, oui, je vais dire des propos négatifs, et puis oui, je suis gonflé, je suis content. Des gens vont m'appeler pour me féliciter, mais demain, quand ça a bobon, quand ça a commencé à se guinzer, là, c'est les mêmes qui me félicitaient, là, c'est les mêmes qui ont dit, hey, mon petit, ah, quand tu parlais la dernière fois, là, voici les vidéos. Hein. Toi-même, des vidéos que tu as déjà oubliées, là, c'est là, ils vont faire sortir. Pau, pau. Bon, c'est ceux-mêmes qui t'encouragent là, c'est les mêmes qui vont venir partager. Parce que ceux qui ne t'encouragent pas là, est-ce que imagine-toi, si tu as fait plus de 1 million de vidéos, ou si tu as fait plus de 10 000 ou 11 000 vidéos, lui qui te suit pas là, il ne sait pas en quel moment toi, mais tu as parlé. Oui, il ne sait pas en quel moment toi, tu as dit des propos négatifs. Non, non, non. Mais c'est lui qui, la personne même qui te suit de près, puis qui t'encourage, il sait à quel moment tu as dit des propos négatifs.
C'est la personne, mais tu vas aller tricher la vidéo, il va couper la partie là. Et il va balancer ça sur les réseaux sociaux. Ou il va prendre ça et puis il va envoyer ça à quelqu'un. Il dit, il faut partager ça là. Vous voyez ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc, ça veut dire, ceux mecs qui sont autour de nous, ceux mecs qui nous encouragent à inciter la haine ou à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas que c'est eux-mêmes qui sont nos malheurs. C'est eux-mêmes qui nous envoient à l'abattoir aussi. Faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous faisons. Parce que c'est demain. Aujourd'hui, je parle, je m'en fous, je fais ce qu'il veut, il tape ma poitrine, bou, 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 je m'en fous, je ne viens pas encore d'y voir. Il dort Giovanni. Donc Giovanni, actuellement, il est stressé comme ça. Lui, il ne voit pas buzz passer. Buzz politique, il est dedans. Buzz, on dit, les influenceurs ou soit les brokers. Lui, Don Giovanni, il est là-bas. Mais tu peux chercher les buzz. Il y a des buzz là. Il y a des terrains là, on ne danse pas là-bas. Il y a des terrains là, on ne danse pas là-bas. Mais lui, il veut danser. Il dit, c'est lui le roi. Don Giovanni dit, c'est lui le roi des réseaux sociaux. Mais le roi Zaïe, le roi a mal fait d'aller danser. Piscine où on dit là-bas, là, ils ont mis vidange là-bas. C'est là-bas qu'il allait danser. Don Giovanni, nous, on ne peut pas te demander pardon pour Dieu. Viens, tu vas t'excuser. Non, non, non. Toi, tu dis où tu es. Toi, tu n'es pas prêt de venir en Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui dit n'est pas prêt de venir en Côte d'Ivoire, pourquoi on va lui dire qu'il n'a qu'à venir s'excuser? Non, non, ça n'existe pas. Mes chers frères, mes chers parents, je vous ai montré cette vidéo pour, c'est pour vous dire, si tu as reconnu le nom de ton cyberactiviste dedans là, il faut prendre la vidéo, va lui donner. Ou tu peux l'appeler, ah, DJ complet a fait la liste, hein. En fait, la liste qu'il a fait là, quand nous on analyse un tête, tu es dedans, hein. Ah, il a cité ton nom. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est pour cela qu'on dit non. Les injures publiques, c'est pas bon. Même si ça touche même pas l'État même là, les injures publiques pour dire je vais insulter telle personne, je vais l'injurer, je vais dire n'importe quoi là, ce n'est pas bon. La personne peut te convoquer même. Et dans ça là, tu ne fais pas attention, tu vas faire prison. Tu vas faire prison. Parce que ça là, le système là, on doit mettre une personne qui est connue d'abord en prison. Bien avant que nous tous là, on puisse voir dedans. Didier Complet a dit non, qu'ils ont donné 5 ans à Peter 007. 5 ans, ça, imaginez-vous. Ils ont lui donné un mandat. Ils ont donné un mandat à Peter. Si c'est 5 ans, ils ont donné à Peter, c'est qu'ils ont lui donné un mandat. Ou il dit, il va renverser Alassane là. Il va faire coup d'état là. Donc c'est un mandat qu'il voulait venir faire au pouvoir là. C'est un mandat là, il va faire ça en prison. Si c'est les 5 ans. Parce que là, je ne sais pas, la confirmation, je n'ai pas. Je ne peux pas vous mentir. Vous voyez des choses comme ça? Tu vas venir dire non, je vais faire ça là. Oui, tu es le gangaba. Oui, je vais faire ça là. Et puis tu es content. Tes épaules que tu élargis comme ça pour dire oui, tu peux t'envoler là. C'est les mêmes encore, ceux qui attrapent comme ça pour dire pour t'envoler. C'est les mêmes quand c'est chaud, on casse ça. Brah! Toi, tu es qui? Quand vous voyez des vidéos, quand tu fais une vidéo et puis tu vois des mille. Tu peux faire une vidéo tout à l'heure là. En une heure seulement. Tu as 10 000, tu as 30 000 vues. Mais ne dis pas que oui, ce sont tous ceux qui te regardent, ce sont tes fanatiques. Hein. Ils ne sont pas tes fans. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas tes fans. Mais eux, viens regarder ce que tu veux dire, tes propos. Quand on voit que oui, tu as fait quelque chose, tu es négatif, ils vont prac, prac. Et puis ils vont aller garder souhait. Ils vont prac, prac. Ils vont aller garder souhait. Le jour, si il faut faire 10 ans. Il faut faire 5 ans. Mais le jour, tu déconnes là. Les mêmes, tu sont allés prendre la série, tu vas venir partout. On dit, voici ça, ah, mon frère. Ah, il faut batailler là-bas. Vous voyez ce qu'il a dit, c'est un menteur. Et maintenant, ils vont commencer à batailler. Fou. Il y a des vidéos, même Peter même a oublié. Il y a des vidéos que même Peter a fait, mais il a oublié. Que les vidéos-là existent encore. Mais ce sont les mêmes vidéos-là. Nous, on a été relayés et puis on est là. Et on est en train de monter. On ne sait même pas où les vidéos-là quittent même. Mais ça sort seulement. Ça sort seulement, ça vient s'il attend, ça sort seulement. C'est pour vous dire, faisons très attention. Tu peux suivre un leader politique, tu peux suivre ton maton. Mais mon frère, est-ce que ton maton, t'as une fois, il s'est une fois assis et puis il a causé avec toi pour dire, hey, toi, il faut aller insulter, il faut dire ça là. Non.
C'est à cause des stages. Regardez bien les vidéomans, les Zassos, les Patrick Zassos, les choses, comment dirais-je, Steve Biko, les Zaté, les Hervé Djedje, les j'en passe, ceux-là comme ceux-là. Les leaders politiques ne les invitent pas pour dire, toi, on peut te confier un secret. Non. Non. Souvent, même quand ils font leur remaniement pour dire, non, qu'on va former un petit groupe là. Ceux-là même, les instituteurs publics, là, on les enlève dedans. On dit ceux-là, non, si ils viennent ici, là, c'est pas bon. Toi, si tu es connu sur les réseaux sociaux, toi, tu dois être humble. Tu dois être humble, ta bouche. Si tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens dire ce qui intéresse au monde entier, ou soit ce qui, on sait que lui, là, il est véridique, tu finis de dire, tu quittes là. Même il y a des cadres qui vont s'approcher à toi pour dire, mais ce gars-là, lui, il vient, il parle, mais lui, n'insulte pas, ou soit il ne fait pas des trucs, mais lui, on peut s'approcher, on peut travailler avec lui. Mais toi, tu es là, à cause de l'argent. Hervé Didier, il met des billets. Hein? Envoyez-moi les étoiles. Hein? Envoyez-moi les étoiles. Sinon, il a cassé les papos. Vous, envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles. À cause des étoiles. À cause des étoiles. Tu n'as plus de dignité. C'est moi qui te dis, Hervé Didier. À cause des étoiles que tu cherches, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent, à cause des étoiles, tu n'as plus de dignité. Quelqu'un t'y a fui l'armée. Quand tu fuis l'armée, tu t'en où tu t'en là, tu es vigile là, tu dois rester tranquille parce que tu connais la loi. Vous qui avez fui l'armée et vous êtes allé en Europe pour être vigile. Vous, mais vous connaissez le, quand tu es dans l'armée, tu sors, on dit lui là il a eu son concours, tu rentres, tu finis de faire ta formation. C'est serment d'abord tu es là. Oui, tant, je dois rester bouche bée, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci. Oui. Oui, ça reste là. Vous connaissez la loi. Mais c'est vous êtes ici, les réseaux sociaux, en train d'insulter des gens. En train de dire de n'importe quoi. Actuellement, là, vous avez vu, ils ont commencé à montrer des vidéos de Johnny Pacheco où il insultait Papa Ado. On voit encore Peter 007. Ça, eux, ils disent Sokorabi. On quitte encore. Actuellement, dessin animé pour lui encore dans le coffre de bagages. C'est encore là. Il n'a qu'à Zahir. Vous allez voir, il y a les vidéos qui vont sortir. Lui, mais il va attraper sa tête. Il dit, il a 100. Il se dit, c'est 103 comptes Facebook ou si c'est 113 comptes Facebook là. J'en passe. Mais il y a des vidéos, il y a des propos qu'il a tenus. Il n'a qu'à déconner. Vous allez voir sur les réseaux sociaux. Ça va sortir quoi? Ça va sortir comme cela, comme de l'eau. Des propos là, ça reste toujours comme souvenir. Des propos que tu fais sortir là, ça reste toujours comme souvenir. Mes chers frères, mes chers parents, moi je vous dis toujours, faisons très attention d'insulter public là, évitez cela même à les écouter. Écoutez, il dit, les insulter public, évitez cela à les écouter, parce que quoi? Toi mon frère, tu regardes quelqu'un qui est en train d'insulter partie intime d'une mère, partie intime d'une mère, et tu es fier, tu es en train de regarder. Bon, si le gars, madame, il est en train d'insulter parti intime de papa, de chien, si lui, il l'insulte pour toi, ça va te faire mal. Donc, n'encourage pas cette personne-là. N'encourage pas cette personne. Pourquoi eux, ils insultent les mamans seulement? Pourquoi eux-mêmes, ils n'insultent pas pour dire papa? C'est qui tu es en bas de toi? Pourquoi toi-même, tu n'insultes pas? Tu insultes pour maman? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous qui insultez matin, midi, soir, en parti intime de vos mères, de vos tatas, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Vous retenez, quand ils viennent parler là, vous retenez quoi dedans? Oui, ta maman est ceci, ta maman est cela, oui. Watarame, il va quitter demain. Oui, on a été préparé ses bagages. Oui, on va mobiliser. Tout ça là, conclusion, zéro. Nous, on s'est battu, ceux qui sont sur YouTube là, nous, on s'est battu pour dire le 25 novembre là, restez à la maison. Restez à la maison, ne sortez pas. Le boulot qu'on a fait là, mais aujourd'hui, ça a apporté les fruits. Le boulot que nous, on a fait là, ça a apporté les fruits parce qu'on a vu un jeune n'est pas allé dans les rues. Moi, j'étais tellement content. J'étais tellement ému. J'ai dit oui, même si les jeunes ne m'ont pas écouté, mais quelques-uns ou quelques-unes qui m'ont écouté et qui ont mobilisé, qui ont dit, allez frère, n'allez pas dans les rues. Moi, c'est une bonne chose. Il dit, s'il y a 10 vues, même 20 vues, 20 personnes, 10 personnes qui m'écoutent et qui partagent mes vidéos. Les 20 là, je pense que ceux-là, quand ils vont aller sensibiliser les frères là, il y aura des gens
qui vont mieux attendre pour dire n'allez pas dans les rues. Vous êtes en Europe, vous finissez de travailler dans votre vigile là. Après ça, vous partez à la maison, vous préparez, vos femmes préparent, vous finissez de manger, vous allumez vos caméras et vous venez insulter des gens que vous ne savez même pas, ceux qui sont en Afrique même là. Eux payent les passes. Ici à l'aventure où les passes sont moins chers, 12, au Maroc ici, il y a 12 000 francs illimités. 12 000 francs illimités. Maintenant, ça dépend des débits. Débit là, tu peux aller au moins 30, chose, comment dire, 300 euros, 300 dirhams, ça veut dire 30 euros. Il y a pour 30 euros. Au moins, si tu as fait 50 euros là, mais il peut dire que c'est pour les entreprises. Tu as fait pour 50 euros, non. Toi, pour toi, là, il peut dire que tu as allé ici extraterrestre. Tout ça là. Mais en Afrique, vous ne pensez pas à ceux qui sont en Afrique. Ceux mecs qui vous écoutent. Ayez pitié. Ayez pitié des personnes qui vous écoutent, qui vous attendent. Arrêtez d'insulter des gens. Matin, midi, soir. Ce n'est pas bon. La famille, je vais m'arrêter là, là. Seulement, je vous ai... Hervé Guégué complet a parlé de la liste. Je pense que si tu te sens concerné, tu es dedans là. Il est temps que tu te rallies. Il est temps que tu allumes ta caméra. Le courage que tu as pris. Et tu as parlé, tu as dit des mots vraiment vulgaires. Tu as dit des mots terribles. Prends ce courage là. Et viens parler. Il ne faut pas demander excuse une fois. Viens demander excuse pendant 2 mois ou pendant 3 mois. Ou je peux dire pendant 5 mois, là au moins ça. Tout le monde va dire, mon frère, c'est bon ton pardon, on accepte. Sinon, pas ça là. Ne vous jouez pas aux guerriers pour dire, nous on est guerriers, nous on s'en fout. C'est d'en fou là. Vous allez comprendre que tu es vigilant, non? Mais si tu n'es pas vigilant, non, tu es virgile. C'est mon mot, la personne, tu as pris ça. Aïe, 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 aïe. C'est mon mot, hein? C'est mon mot aussi Facebook là. Là, si tu n'es pas vigilant là, je vais être virgile. Donc la famille, je vais vous laisser. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis, pardonnez, partagez mes vidéos là au maximum dans les groupes WhatsApp pour que ma voix puisse aller loin. Oui, pour que ma voix puisse aller loin. Et on est dedans.